Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle arme sur Fortnite qui sont les cunei à parchemin explosif. Donc regardez déjà le nouveau bus de Fortnite, donc aux couleurs de Naruto. Donc voilà, je voulais vous montrer le bus d'abord. Et là maintenant, je vais vous montrer où est-ce que vous allez pouvoir obtenir à coup sûr les kunai de parchemin explosif. Cependant, vous allez devoir les échanger contre des lingots d'or. Après, vous pouvez les retrouver dans des coffres, dans des lamas et dans les colis aussi qui tombent du ciel, je pense. Donc voilà, dans des coffres, dans des lamas et dans des colis. Ou alors, vous vous rendez plus ou moins par ici sur la map. Donc je pense que c'est, voilà, c'est juste ici sur la map. Et là, en fait, vous allez pouvoir parler à Kakashi. Kakashi Sensei, si je me souviens bien ce qu'il s'appelle. Enfin, Kakashi, quoi. C'est le personnage de Naruto. Et ce personnage-là peut vous vendre des kunai de parchemin explosif. Donc là, je vais les tester avec vous et je vais vous les présenter. Alors, je vois que sur le patch note de Fortnite, il est marqué qu'on peut retrouver les kunai à parchemin explosif uniquement dans des coffres et uniquement dans des lamas à butin. Donc apparemment, on ne peut pas les récolter, enfin, en obtenir dans les colis qui tombent du ciel. Ok, donc là, le personnage est juste ici, en dessous de moi. Ok, donc je vais lui parler et vous allez voir qu'il va me proposer d'acheter des kunai. Voilà, kunai explosif, c'est une arme mythique. Ok, on accepte. Ça coûte 150 lingots d'or. J'en ai 3 par 3. Attends, on va en acheter un peu plus. Hop, hop. Voilà, ah bah je peux en acheter jusqu'à 9 maximum. Donc là en fait il n'en vend plus. Après il vend aussi une cape de chasseur, pourquoi pas. Alors voyons voir les efficacités de cette arme. Donc elle fait 35 de dégâts, c'est un kunai auquel est fixé un parchemin explosif, traque les adversaires et s'accroche au mur. Ok, donc on va essayer de l'attaquer. Oh! Attends, j'ai même pas pu le lancer sur lui ou quoi? Ok. Ah ouais, ok, ça traque vraiment les adversaires dans le sens où même si je tire à côté, regardez, je tire à côté, ça va le toucher quoi. Ah ouais, c'est quand même stylé ça. Ça veut dire que si je vois un ennemi, je lui lance un kunai et ça va directement sur lui. Ah, c'est un aimbot quoi. Et ça lui inflige 35 de dégâts et on va essayer de le tuer. Ah ouais, il m'a tué, hein. Il m'a tué le Kakashi Sensei, il m'a tué. Donc voilà, enfin bref, l'efficacité de cette arme est plutôt pas mal. Je trouve que c'est assez cheaté quand même que le kunai il aille directement sur l'adversaire. Donc ça peut être très efficace contre les personnes qui bougent de gauche à droite. Donc voilà, c'est une petite nouvelle arme qu'ils ont ajoutée aujourd'hui, qui est plutôt pas mal stylée. Et voilà, je voulais vous montrer comment vous allez pouvoir l'obtenir et vous la présenter en quelques petites minutes. Ouais, j'espère que cette petite vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.